l'arc, à la canne à pêche, en acrobatique, et également les niveaux d'horreur en alchimisterie. En alchimie, tout simplement. Bon, alors tout d'abord, j'ai beaucoup, beaucoup pêché. Je pense que ce coffre parle de lui-même. On va pas compter. Enfin, si, on va compter combien de poissons j'ai pêché. Alors, moi, je compte 2368 poissons. Sachant qu'on pêche 80% du temps des poissons, j'ai peut-être pêché 2800 fois. Ce qui est colossal, hein, franchement, qu'on se le dise. Donc, du coup, on va checker. Fishing, je suis niveau 548. Ce qui fait que je suis Treasure Hunter rang 5 sur 8. Donc j'ai une chance 0,25% de chance d'obtenir un truc pourri, 1,5% d'obtenir un truc commun, donc cuir ou pierre, 3,75% de chance d'obtenir un truc rare, c'est-à-dire en. Non, un commun, c'est pas rare pour eux. En or, rare, ça va être du fer. Épique. Ah, je sais plus à quoi correspond tout. Bon, j'ai une. Non, les pièces en diam, c'est là. Donc là, c'est fer avec un diamant. On peut pêcher aussi un diamant. Record, c'est des CD, c'est un peu inutile. Voilà. Donc c'est quand même franchement pas mal d'avoir une chance sur 100 d'obtenir une pièce en diams. Et vous, vous allez arrêter de me déranger dans ma vidéo. On fait pas de bruit. Chut. Merci. Ah, il recommence. Je vais vous casser vos spawners, hein, si jamais vous continuez à faire tant de bruit. Vous allez voir. Pour mes niveaux d'archer, j'ai tué beaucoup, 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 beaucoup de pigmen. Également quelques autres trucs. Et ça m'a permis de monter au-dessus du niveau 150 d'archer pour le prochain fight qui sera probablement un pillage. Et le niveau 150, ça vous permet d'obtenir 30% de bonus de dégâts sur les joueurs, ce qui est déjà bien pété, même si on peut monter à plus de 100%, ce qui fait que vous faites 3 fois plus mal que normal. Ok, alors on va faire un. On a déjà fait un. J'ai déjà fait un système de récupération qui permet de. Récupérer les popos d'eau et non, donner les potions d'eau et récupérer les potions une fois qu'elles sont pleines dans une chaîne d'entonnoir qui vont là-bas. Et c'est pas tout à fait plein. Ah bah c'est carrément vide. Bah c'est les popos d'eau qui rentrent. Ah, il y en a jusqu'au bout. Et donc le principe c'est le niveau d'alchimie monte quand même si jamais vous mettez les ingrédients. Et pour monter un maximum, il faut mettre 4 ingrédients d'affilée parce que le quatrième ingrédient rapporte plus que les trois premiers en termes d'XP. Pour vous donner une idée. Donc on va faire ça. Est-ce que t'as des blocs jolis à... C'est quoi des blocs jolis? Mais là, bas à côté de la sortie du four, auto. Ouais, je vais chercher. Avant ça, je savais pas si je pouvais faire la chaîne en fait. Mais du coup, s'il y a deux lignes, c'est très rapide. Faut pas que je change d'ingrédient. Quoi, comment ça, ils vont couper ici? Faut en laguer ces blaze, on va les tuer. Voilà, il faut pas laguer. Hop, après j'ai pas testé ça. J'ai un champ d'ingrédients. Alors, où est-ce qu'on peut mettre la redstone? Là par exemple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on aura un passage entre les deux. Là il faudrait une je commence à avoir les timings parfaits pour les potions. Chaîne de redstone qui passe. Il y a des lampes. Je suis à level 209 en alchimie. Bah, si vous jouez au serveur, vous avez aussi la possibilité de voir comment on fait. Comment qu'on fait? Il me faut un levier. Je vais pas cliquer dessus parce que ça peut faire des bêtises dans la machine. J'aurais une tournée pour du beurre. C'est de l'étude dans la machine. Alors tu touches à mes boutons là. Y'a que moi qui touche. Voilà, donc après il faut les entonnoirs qui vont en chaîne vers un coffre.
On va mettre le coffre, pas comme ça, mais. Qui vient de rejoindre? Comme ça. Si tu veux, on peut montrer. Un, viens. 2, 3, 4. Lily? Je vais faire autre chose, horreur. Je vais te montrer comment ça marche. Bah, je m'en fiche. 1, 2, 3. J'ai mal compté. Mais j'ai déjà expliqué. Bah alors montre, vas-y montre. Donc là c'est vide. J'ai mis une potion, j'ai mis tout le truc d'ingrédients. Là ça commence à se vider. Bah c'est tout vide. C'est pas vide. Non c'est pas vide là. Ah y'en a encore dans les entonnoirs. Les entonnoirs elles sont blindés. Ah oui d'accord. Après ça va remplir le double coffre là. Là c'est la fin. J'active le truc du bas, ça remplit, ça vide toutes les potions. Et ça remplit pile le double coffre entier. Et qu'est-ce que tu fais après? Après, je referme le truc là. D'accord, pour rebloquer les entonnoirs en bas. Du coup, tu débloques les entonnoirs sur le côté. Je débloque les entonnoirs à la potion, qui se remplissent de potions. Je fais tous mes trucs. Parce qu'il y a plein de fioles d'eau ici, mais il y en a plus. Je referme bien celui-là. J'ai l'impression qu'il y a plus tellement de fioles d'eau, horreur. Et pourtant, j'ai rempli des coffres. Je vais remplir 4 stacks de fioles. Bon. Voilà, donc dans ce cas-là, ça se remplit. Après, tu mets les 3-4 ingrédients. Et après, tu réactives ce levier. Je réactive ce levier. Et tout repart là-bas. Et après je prends tout, je vais aller stock là-bas. Est-ce que tu as 18 alambics? Ouais là-dedans. Et j'ai pas les deux devant mais... Tu veux bien les mettre sur les entonnoirs? Sur les entonnoirs là au milieu? Ah mince. Non attends, pose-les, je vais me débrouiller. Pose-les, je vais me... Non mais... arrête. Pose-les. Non, pose-les, je veux me débrouiller. Ok, d'accord. Pose-les dans un coffre. Ou par terre, oui, ça marche aussi. J'ai pas compris. Il va falloir qu'on décale ça. C'est fini. Tic. Ça marchera mieux avec cet écart. Le pillage. Le petit village sur l'île voisine. Il a commencé sa base. Oh. Fais gaffe, c'est pas trop important, il laisse ouvert. Hein, ça va donner un truc comme ça. C'est encore pas bon, j'ai oublié de mettre... ce truc là, oh, ça va être beaucoup plus large que je croyais. Bon, c'est pas grave. Horreur, il faut que tu viennes me dire si jamais c'est bon. D'après toi, j'ai les deux leviers à côté, donc ce sera encore mieux que l'autre. Déjà, est-ce que ça marche? Ah, sauf qu'il manque des torches. Mais sinon, ça marche. L'important c'est que ça marche. Oui. Mince. Voilà. Bah si ça marche, moi ça me va, on verra. Allez, mais par contre les potions qui arrivent de là, faudrait que tu fasses un génial jusque là-bas. Bah on va faire un chemin. Tu prends un des trucs là-bas et tu le fais. Déjà un peu plus clair. Tu remplaces un truc de là qui tourne et tu le mets qui va là-bas. De quoi? Mince. Attends. Toi tu vas pas là. J'espère que je vais la récupérer, on va voir. Ah, je peux monter. Bon, il est pas tombé dedans. Hop. De poser les... Oh là là. Les barres de fer. Oh, je vais pas en avoir suffisamment. Bon bah je vais faire ça. Et le dernier entonnoir, et on est bon. Donc normalement, lorsque les fioles... Ah non, c'est pas associé au stockage. Oh là là, faut que je revoie encore mon truc. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. On va faire comme ça. Hop. Du coup, les fioles d'eau qui arrivent à ce niveau-là, elles partent dans le truc. Mais donc, il faut qu'ils soient mieux remplis que ça. Sinon, les deux systèmes fonctionneront pas. Ouh, on est bon. On est bon. Deuxième seau d'eau. Il va falloir remplir les trucs là. Et on pourra faire le test pour de vrai. Moi je trouve que les abats, ça fait pas trop phare en fait. Bon.
C'est manque bon. beaucoup encore des potions. On est plein. Bah non, on est plein. Là-haut. Mais ça coule lentement, c'est juste pour ça. Ah, je vois. On va rajouter un stack. Bon, on attend que ça coule, mais normalement c'est bon. C'est plein, En fait, plein, plein. moi ce que je vois, c'est au niveau de ton truc, t'as mis un double coffre. Bah, il est absolument vide. Mais c'est parce que c'est en train de se remplir. Et les ossements Ah non, aussi, mais attends, est-ce c'est que... semi-plein parce que je les ai à moitié coupés. Je vais faire ça. Pourquoi les entonnoirs sont pas bouchés là? Faut boucher, c'est là, faut boucher, tu le vois là. Ah oui, c'est l'inverse. Pourquoi il y avait des fioles d'eau dedans alors? Je sais pas moi. Bah, prends-les et mets-les au-dessus. N'empêche. Ça clique une minute celui-là, il claque. Ah, je sais, bah oui. Alors là, il y a des trucs qui vont pas là. T'as pas bien fait ton système, ça claque. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Là, t'avais un coin là, avec une torche là. Et du coup, ça claquait. Voilà pourquoi il y a des fioles. Parce que du coup, ça s'allume si t'as un courant là. Bon, on se retrouve quand c'est rempli. Voilà, donc là c'est bon. On a plus de levier qui gêne. Il n'y a plus de potions quand même. Et ben je sais, mais elles arrivent les potions horreur. Ok, d'accord. Parce que vu cette trame. Moi j'ai Et commencé à finir sur le ça s'est rempli de l'autre côté. Voilà. Qu'il en reste en haut, mais il n'y a pas de raison que il y en a déjà plus. Oui, oh non. En fait, j'ai mis à peu près un stack d'entonnoirs, donc ça veut dire qu'il y a 5 stacks de potions qui sont répartis dans les entonnoirs. Donc, oula, ouais, d'accord. Bug visuel. On va être à peu près bon là. Mince, faut pas que je desneak. Alors là-haut, c'est très plein. Ici, c'est très plein. Ici, c'est très plein. Ah bah, on est plus que plein là. C'est bon. Celui-là, il est plein. On va remplir celui-là du coup. Ok. Donc. Le système est opérationnel. Moi c'est bon, le coffre qui est au-dessus des trucs qui commencent à se remplir. Ah bah alors si même celui-là se remplit, c'est-à-dire que toutes les chaînes d'entonnoir sont pleines. Pourquoi ça marche pas? De quoi? Remets? Pas de raison que ça marche pas. C'est des potions banales. Oui. C'est pas ça les potions de base. Bah si. Les potions banales, c'était les trucs que Ah tu oui, non, c'est connais. des fioles d'eau, t'as raison. Où est-ce qu'il y avait un coffre rempli de banales potions en fait? Oui, il y a des potions qui sont d'eau et il y a des potions qui sont banales. Banal, banal, banal. J'ai pris au sol. Ouais, je peux peut-être t'en donner un, mastodonte d'ailleurs. Ouais, elles sont toutes banales là. Bah c'est toi qui as fait des potions banales et qui les as mis quelque part alors. Je fais pas de potions banales moi. Bah c'est les potions post verrue du Nether. Non? Bon bah alors Ah si, peut-être. Non, c'est potions étranges. Non, c'est potions étranges, hein. Potions banales c'est encore autre chose. Les potions banales on les brûle. Hein. Bah alors brûle-les. J'ai l'impression que c'est bon de ce côté-là. Ouais, celles qui sont arrivées après, donc ce côté-là. C'est bon, le côté droit est bon. Pourquoi il y a du feu là? C'est à cause Faut d'eux. pas brûler les potions. Chez vous. Là c'est 3 fioles d'eau et là c'est 3. Pour avoir plein d'opsies. Pourquoi tu veux avoir plein d'opsies? Pour avancer. Ah, pour ta base? Ah, pour la base? Ah bah ouais, pourquoi pas. Le village. Le plus simple c'est de prendre des seaux de lave dans le Nether et les ramener, de les
mettre là-haut. Bon, et nous, on va se retrouver dès qu'il y a un autre truc intéressant concernant les niveaux d'alchimiste. Je pense que, erreur, tu n'as plus qu'à monter. Tu es niveau combien d'ailleurs? Presque 220. Pas mal. Et les premières popos très intéressantes sont à 250, si je ne Là me maintenant trompe j'ai pas. monté deux fois plus vite presque. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus rapide de faire tout à la suite. Même si pour faire un petit contour j'ai pas les ingrédients à bouger. Et sur mon écran, vous voyez que niveau archer, je suis monté à 70. Ce qui donne 76! MCMMO archerie. Ce qui me permet d'avoir 14% de chance de faire En gros, je un crois. des dégâts supplémentaires, si je comprends bien. Ah, si tu veux aussi, mais je sais pas si c'est pas plus simple avec. J'ai 3,5% de chance de donner nausée à la créature que j'affronte, au joueur que Je sais j'affronte. pas, tu fais comme tu veux. Et j'ai Mais je sais 7% pas. de chance de récupérer mes flèches. Par contre, allez, ça va creuser un que je pourrais casser. Il me valent du logiciel de portail. C'est un peu C'est relou juste une ça. technique, ça marche, hein, mais. Ouais, mais ça rapporte moins que de faire une tournée dans le Nether avec des sauts de lave. Et on sait pas exactement où apparaît le portail à chaque fois, donc. Non plus. C'est Bah écrit, hein. oui, mais inventaire plein de sauts de lave, ça rapporte plus que d'Obsi que ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être deux pour faire l'autre truc.